Adesso io introduco il contributo del professor Jean-Jacques Amyot, che è direttore del un istituto dell'OIRAIL. Mi ha spiegato ieri sera di cosa si occupa. Brevemente lo ricordo, perché poi avremo, credo, nel suo intervento ragione di questo. Questo è un istituto legato all'Università di Bordeaux, che svolge compiti sia di formazione, di consulenza anche a singoli cittadini, oltre che a associazioni ed enti pubblici, e poi gestisce direttamente alcuni interventi e servizi molto importanti, un servizio per contro l'abuso e il maltrattamento delle persone anziane, un'attività di quella che noi chiameremo l'università degli adulti. Mi diceva che solo nella sua città, a Bordeaux, forniscono interventi per più di 5.000 persone, 250 docenti, e poi fanno attività anche, dicevo, di formazione sul campo. In più lui è anche docente presso l'Università di Bordeaux e di Marsiglia in diversi master. Da anni si occupa dei temi che hanno a che fare con l'ambito della gerontologia, dell'etica, della comunicazione, e ci proporrà una lettura che non è immediatamente spendibile rispetto ai nostri temi, ma lo abbiamo chiamato e l'abbiamo invitato soprattutto perché ci fornisse un riferimento con anche temi, interrogativi, domande che ci aiutino nel perseguire quell'obiettivo di mettere al centro le persone, la loro realtà, non solo i loro bisogni, ma proprio le persone nella loro interezza. Quindi è con piacere che lascio la parola a Jean-Jacques. Credo che successivamente dovremo rivedere un attimo i tempi dell'organizzazione che avevamo previsto, siamo un pochettino lunghi, ma ora lascio a lui la parola. Merci Raffaele. Je m'occupe effectivement que de gérontologie parce que j'ai horreur des enfants. Donc je m'excuse de ne pas parler italien, je ne connais que deux expressions en italien, la bella ragazza et pericoloso sporgersi. C'est pas beaucoup pour pouvoir discuter de questions de vieillissement. Je parlerai doucement, non pas parce que j'ai passé une soirée italienne difficile hier soir, mais tout simplement parce que je vais essayer de respecter le travail des interprètes. J'ai peu de temps pour vous faire passer un certain nombre de messages qui sont finalement pour moi... À la fin de cette vie professionnelle que j'ai entièrement consacrée aux questions de vieillissement, qui restent pour moi les 3-4 questions fondamentales de cette relation à la vieillesse que nous avons dans notre société. Vous avez de la chance, puisque contrairement aux autres intervenants, je ne vais pas vous parler d'argent, ni d'euros, ni de francs, ni de lire, et je ne vais pas non plus vous parler de comptabilité des personnes, c'est-à-dire comment gérer avec des outils. Et je vais essayer de transformer ce vocabulaire en comment vivre ensemble et accompagner des personnes. En fait, tout commence avec deux fondations pour lesquelles j'ai travaillé comme consultant, autour d'une question qui s'appelle le droit au choix et le droit au risque. Des fondations qui délivrent de l'argent en France pour des opérateurs de terrain qui
travaille spécifiquement sur cette possibilité pour des personnes âgées et très âgées, éventuellement touchées par des troubles cognitifs, de pouvoir continuer à vivre, si possible, comme vous et moi. En fait, on pourrait déjà dire, dans un premier temps, que la question qui se pose, c'est la question de la vieillesse accompagnée. Et quand je dis accompagnée, c'est à la fois par rapport à des professionnels, mais aussi, et nous avons tout à l'heure discuté avec une personne qui est dans la salle, aussi de tout cet accompagnement qui se fait avec ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire les familles, et plus largement l'entourage, puisqu'en France, les dernières études montrent que 20% des aidants ne sont pas des personnes qui sont liées familialement à la personne aidée. En fait, cette vieillesse accompagnée, le risque de cette vieillesse accompagnée, c'est le sentiment d'être dépossédé de sa vie. Comment est-ce qu'on peut se sentir dépossédé de sa vie ? Non pas parce que il y a la survenue d'incapacité ou de handicap. On s'aperçoit d'ailleurs sur les échelles de qualité de vie que, au fur et à mesure où nous avons de nouvelles difficultés dans notre vie, et ça commence relativement tôt, autour d'incapacité ou de handicap, eh bien, nous adoptons d'autres stratégies de vie qui font que ce n'est pas aussi difficile qu'on l'avait imaginé. Donc nous nous sentons dépossédés de notre vie, non pas pour cette survenue d'incapacité ou de handicap, mais en fait parce que ceux qui sont autour de nous, famille, entourage, professionnels, vont faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont réaliser pour vous ce que vous faisiez tout seul. Situation qui semble simple, mais qui a des conséquences absolument redoutables. Cette question de l'évaluation que vous êtes en train de traiter, de demande de prestations et de prestations, intervient toujours dans une situation particulière, dite de crise et de vulnérabilité. Nous utilisons d'ailleurs en France deux termes dont un me paraît inconséquent. Il faut couper le micro. Micro. Oui, monsieur. Le micro. C'est pas moi. Je ne suis pas ventriloque. Donc, Amio 2. On recommence. Donc, dans les situations d'évaluation ou de prestation, effectivement, on se trouve avec une accumulation qui est à la fois une situation de crise qui va plus loin que la personne elle-même, puisque c'est souvent une crise de l'entourage aussi, mais en même temps une situation de vulnérabilité qui, pour moi, est tout à fait différente de la fragilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, nous n'avons pas le temps, mais je vais le faire sous une forme de boutade. Je reçois chez moi des colis fragiles, je ne reçois jamais de colis vulnérables. Donc, le problème, effectivement, c'est que dans ce moment particulier où je vais faire appel à d'autres pour m'aider dans la vie quotidienne, eh bien, je vais me trouver moi-même en très grande difficulté pour défendre mon point de vue. On peut prendre un exemple. Jacqueline. Elle vient de passer 6 mois entre l'hôpital psychiatrique et l'hôpital gériatrique. Ses enfants, 4, pensaient qu'elle ne reviendrait jamais à son domicile. Elle est en maison de convalescence. Et sa fille, qui a préparé tous les services pour qu'elle puisse rentrer à domicile, a décidé avec le médecin et avec l'infirmière du centre de convalescence qu'elle rentrerait samedi. Quand elle l'apprend, Jacqueline est folle de rage. Il faut que son fils fasse
une médiation entre sa mère et sa sœur. Et il demande à sa mère, mais tu m'as dit que tu voulais sortir, tu m'as dit que l'hôpital était une prison. Oui, je veux sortir. Très bien. Alors, est-ce que tu veux sortir samedi? Et après quelques secondes de réflexion, sa mère lui répond, oui. Vous voyez, c'est exactement la même décision que celle qui avait été prise par sa fille, mais tout est absolument différent pour elle. Au même titre que si ce soir on vous oblige à sortir au cinéma, ce ne sera pas la même chose que si vous le décidez. Juste avant de venir vous voir, pour l'université du temps libre où j'ai 5000 retraités en pleine forme, qui ont jusqu'à 94 ans, il y avait le problème du cours de débutants italiens, où ils étaient 22, ce qui était beaucoup trop. Donc les secrétaires décident de scinder le groupe en deux, mais de manière autoritaire, en disant ben, les 11 derniers passeront sur le deuxième groupe. Une foire abominable. Qu'est-ce qui se passe? La décision finale est la même que celle qui avait été prise par les secrétaires. Sauf que les retraités me disent « Oui, mais là, c'est nous qui avons décidé ». C'est-à-dire que finalement, ces petites anecdotes vous montrent que, avec très peu de choses et en dehors d'aspects financiers, organisationnels, etc., notre vie peut changer du tout au tout avec simplement un léger décalage dans le processus de décision. Comment se fait-il finalement que ce choix par soi-même ait une telle importance ? Certains d'ailleurs pourront me dire « Oui, mais moi, il m'arrive de faire décider par d'autres. » Et non, justement, parce que si je décide de faire décider par d'autres, c'est encore ma décision. Alors, pourquoi ce choix a-t-il tant d'importance ? Eh bien, tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, tout simplement parce que nous avons besoin d'anticiper. Ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est que nous sommes la seule espèce qui a une capacité d'anticipation. Consciente, bien sûr. Et nous le voyons bien dans notre vie quotidienne. Nous passons notre temps, et j'imagine que pendant que je parle, un certain nombre sont en train de penser à leur après-midi et éventuellement à leur prochain week-end, même s'il est un peu loin. Mais toujours est-il qu'on passe ce temps, on passe son temps à anticiper. Et qu'est-ce que c'est que cette anticipation? Je pense toujours à la météo. On a toujours besoin de savoir le temps qu'il fait. Est-ce que ça changera quelque chose dans la manière dont on se comportera? C'est pas sûr. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on sache. Donc on voit bien, c'est ce que le sociologue Crozier a mis en évidence sur ce qu'il appelle les zones d'incertitude, qui fait que notre bien-être, puisque nous sommes en train de parler de ça, notre qualité de vie, peut être mise à mal si nous n'avons pas la capacité d'anticiper, si notre zone d'incertitude est beaucoup trop grande. Vouloir anticiper, c'est quoi? C'est croire que je suis libre. Sans quoi nous laisserions le destin faire ce qu'il a à faire. Et pourquoi est-ce que cette liberté est aussi importante aujourd'hui dans ce monde du 21e siècle pour nous? Parce que en Europe et dans l'Occident, depuis un peu plus de 2 siècles, nous avons conçu ce qu'on appelle l'individu, l'homme individuel qui a sa propre liberté. Je vous renvoie à la philosophie des Lumières, je vous renvoie à des choses qui ne sont pas de la philosophie, mais qui sont nos droits positifs, nationaux. La Constitution française est construite sur une liberté fondamentale qui définit toutes les autres, qui est la liberté d'être libre. Toutes les autres découlent de ce principe de base de notre droit positif. C'est dire que ce n'est pas simplement une question de philosophie, mais une question de citoyenneté. Puisque finalement, les deux questions
qui sortiront de mon propos et qui restent des questions auxquelles chacun répondra, c'est est-ce que je suis en vieillissant un citoyen à part entière ? Et je vais même plus loin, dans la suite logique de ce que j'entends sur mes enseignements à l'école d'infirmière et à l'école d'aide-soignante, hein, est-ce qu'il arrive un moment où, du fait de ma grande vieillesse, je ne suis plus un être humain ? Est-ce que je fais partie d'une autre espèce ? Quand les aides-soignantes me disent, en cours, « Moi, je ne veux pas devenir comme ça », ou, si vous le préférez, sous une autre forme, qui est souvent cette forme-là, « trop vieux, trop dément, trop dépendant », ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Ça veut dire « trop », c'est un excès, ça veut dire que je suis sorti, hein, que j'ai passé la frontière. C'est bien ça la vraie question. Et la question du droit au choix et du droit au risque, c'est bien celle qu'effectivement, à partir d'un moment, vous serez aliéné, et je pèse mes mots, aliéné à la décision de l'autre. Je vous rappelle, en dehors du film Alien, que être aliéné, c'est être possédé par un autre, ce qui d'ailleurs dans le film est d'une certaine manière une vérité. Donc, c'est bien ça la question fondamentale. C'est, est-ce qu'à partir d'un seuil, mais lequel ? Lequel allons-nous définir ensemble ? Ou chacun dans sa vie privée, à partir de quel seuil, je ne serai plus tout à fait un citoyen, ni tout à fait peut-être un être humain. Et je ne dis pas ça par provocation, je le crois sincèrement, que la vraie question aujourd'hui dans notre société est là. Parce que derrière cette question de liberté qui peut paraître floue, je pense à Sartre qui disait « qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est ce qu'un homme fait avec ce qu'on a fait de lui. » Ah ben oui, on peut y réfléchir avec cette question de la vieillesse, c'est bien ça. Et c'est bien la question derrière de l'autonomie. Autonomos, en grec, choisir soi-même sa propre voie, c'est bien cette question qui est là. Et Dieu sait si la question de l'autonomie est une question importante dans notre société. Je dirais même que peut-être aujourd'hui, c'est la proposition la plus centrale. Vos enfants ne sont pas autonomes. Ah ben c'est bon, je peux les traiter d'handicapés. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas autonomes, mais vous ne trouverez jamais de travail, madame, monsieur. La question de l'autonomie, c'est bien une question absolument fondamentale dans notre société. Et qu'est-ce que c'est que cette autonomie ? Si je veux passer à des choses plus concrètes, eh bien effectivement, c'est les choix que je vais faire dans ma vie quotidienne. Être autonome, c'est ça, c'est quand on a grandi et qu'à un moment donné on devient adulte, que nos enfants grandissent, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, ben, tu veux le faire maintenant, mais vas-y, fais-le, c'est ton choix, prends tes risques. Devenir adulte, être un être autonome, c'est choisir et risquer. Rien de plus. Mais c'est ce qui tisse la matière de notre existence. Tous les jours, lorsque cette dame qui vit en milieu rural en Aquitaine rencontre son assistante sociale et que son assistante sociale lui dit « Mais puisque vous ne pouvez plus plier la jambe, comment faites-vous pour monter à votre chambre qui est à l'étage ?» Elle dit, ben c'est très simple, je monte à genoux. Et elle lui propose de lui descendre sa chambre, de lui changer la configuration de sa maison. Mais, eh oui, mais bon, cette dame, elle y vit depuis 50 ans, et comme elle dit, j'y ai passé toutes mes nuits avec mon mari, et j'y ai fait tous mes enfants. Vous voyez, c'est effectivement reconnaître dans l'autre quelque chose qui est son autonomie, elle préfère continuer à monter les escaliers à genoux, mais en même temps, tout ce qui va être le vrai travail d'accompagnement d'une personne âgée, qui est un travail de négociation et d'acceptation, de ses choix. Du coup, on arrive à une autre notion fondamentale aussi,
Du moins, je le crois. Et tant que vous n'aurez pas le micro, vous ne pourrez pas me répondre. C'est la notion de singularité. Qu'est-ce que c'est que vieillir ? Tout simplement se singulariser. Mais ce n'est pas tout simple. C'est qu'effectivement, le vrai travail, et il n'y a pas deux personnes ici qui se ressemblent et pas deux personnes qui sont habillées strictement de la même manière, toute notre vie, nous allons essayer de nous singulariser. Dans notre fratrie, ne pas ressembler à l'autre. Dans notre travail, ne pas ressembler à celui qui fait pourtant le même travail à côté de nous. Dans les groupes auxquels nous appartenons. Vieillir, c'est se singulariser. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque on peut échanger deux nouveau-nés à la maternité, et on va mettre beaucoup de temps à s'en apercevoir, mais c'est beaucoup plus difficile d'échanger nos grands-parents. Donc, cette question de la singularité, si vous voulez, ce sentiment d'être unique qui habite les personnes âgées et les personnes très âgées, eh bien, il est mis à mal. Il est mis à mal à la fois par les généralisations que l'on fait sur les vieux. Vivre dans un établissement de 60 lits, c'est être un 60e d'une réalité. Et c'est toute la difficulté de travailler d'ailleurs en gérontologie. Mais en même temps, d'autre part, c'est effectivement être pris en charge, être pris en compte par des dispositifs qui n'ont quasiment aucune possibilité d'adaptation. Écoutez ces vieilles personnes chez qui vous intervenez à domicile, par exemple. J'aime bien parce que les professionnels me disent, elles ont des manies. Ce ne sont pas des manies. C'est simplement l'expression de certains aspects de leur singularité. Et j'aime bien d'ailleurs sur les établissements, sur les maisons de retraite, les personnes qui me disent que, les professionnels qui me disent que les personnes âgées cherchent ce qui pourrait être un petit avantage. La demande de tutoiement, le fait de bénéficier d'un verre de vin alors que l'autre l'a pas, etc. Moi, je ne crois pas que ce soit qu'un système d'avantage. Je crois que c'est effectivement une manière d'être à un moment donné quelqu'un qui ne ressemble dans cette salle de restauration où il y a 80 résidents à personne d'autre. Quand on n'est pas à la fois pour soi reconnu comme un être singulier, et c'est bien le problème des jumeaux d'ailleurs, mais en même temps par l'autre qui vous regarde, je vous le dis très honnêtement, c'est la mort de votre identité. On meurt de ne pas être reconnu comme un être original. Comme on meurt de solitude, toujours pour les mêmes raisons. C'est toujours le regard de l'autre qui vous construit jusqu'à la dernière minute de sa vie. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je pensais aussi au restaurant, dans notre vie quotidienne. On va dans un restaurant, on n'y mange pas très bien, mais le patron, il vous reconnaît. Et on y retourne. On y retourne justement parce qu'il nous sort par son regard du magma dans lequel nous sommes susceptibles d'entrer comme étant un client parmi tant d'autres. Cette singularité, elle s'exprime à travers le projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? C'est, comme son nom l'indique d'ailleurs, ma personnalité que je projette à l'extérieur, mes désirs, mon identité, et qui font de moi effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une anticipation. C'est le symptôme le plus expressif de la singularité, le projet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, ben oui, mais ils sont vieux. Est-ce qu'on peut encore avoir un projet à 80 ans ? Est-ce qu'on peut avoir encore un projet à 85 ans, à 90 ans ? Mais est-ce que vos projets, vous qui avez encore, du moins je l'espère pour vous, 30 ou 40 ans d'espérance de vie,
Est-ce que vos projets sont tous des projets de 30 ou 40 ans? Je le disais tout à l'heure, il y a des projets pour demain, pour après-demain. C'est-à-dire, je repense à cette année, j'avais voulu inviter pour l'Université du Temps Libre, en conférence inaugurale, Jean d'Ormesson, qui est un académicien. Il est né en 22. Il m'envoie un petit mot en me disant « Je viens de sortir un livre, je suis trop pris. Recontactez-moi d'ici 3-4 ans. » Mais je me dis, quand il me répond ça, je me dis « Mais j'ai bien compris ce qu'il me dit. » Il me dit qu'il a certainement un ouvrage qu'il est en train de terminer et un autre dont il a déjà l'idée. 2 fois 2 ans, 2 livres. Il n'a pas besoin d'avoir 40 ans d'espérance de vie pour avoir un projet. Donc, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'effectivement, quand on parle de grande vieillesse, on a l'impression que la vie s'est déjà arrêtée. Mais non, moi je vous le dis, j'en ai 5000 chaque année de retraités et des gens très âgés, mais qui ont encore un appétit de la vie, même avec la jambe qui fonctionne mal, même avec la pile cardiaque, même avec des petits troubles cognitifs. Oui, j'ai encore du désir. Ma vice-présidente, 86 ans, qui a fait l'année dernière, qui me dit « Je vais faire un stage de pilotage d'avion. » Je lui ai dit « Pas au-dessus de chez moi. » elle est atteinte de DMLA, de déficience maculaire liée à l'âge, donc elle voit pratiquement pas. Elle l'a fait. Mais il a fallu qu'elle dépasse le regard que les autres portaient sur elle. Et quand elle s'est retrouvée avec 2 pilotes et 12 personnes prêtes à faire ce stage, et que les 2 pilotes discutaient devant elle, m'a-t-elle dit, il y en a un qui dit à l'autre, « Moi, je veux pas de la vieille. » Je lui dis, « Alors Jacqueline, qu'avez-vous fait ?» Je lui ai dit, « La vieille, elle t'emmerde. » Le problème de la vieillesse, c'est qu'effectivement, non seulement on pense que les vieux n'ont plus de projets, mais en plus, on a plein de projets pour eux. Les projets du politique, les projets de l'administration, les projets du professionnel de terrain, les projets des coordonnateurs, les projets des universitaires, eh oui. Les livres qui en parlent, des projets, tous les magazines qui vous disent comment il va falloir gérer votre vie. Mais le mien de projet, qui sait qui l'écoute ? On le voit bien dans l'entrée en maison de retraite, que c'est bien cette question à la fois de la singularité, de la liberté, qui est importante, puisque la première chose qui fait peur en rentrant en maison de retraite, c'est ce qui pourrait aujourd'hui ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui très agréable, c'est-à-dire on fait tout pour nous, mais sans nous. Et c'est bien ça la difficulté, c'est le passage du domicile à l'établissement, c'est que je quitte quelque chose qui me représente et qui est mon domicile, si vous voulez, on en parlera plus précisément. Alors pourquoi effectivement ces professionnels, cet entourage, d'un seul coup, nient le projet de la personne, nient sa singularité? Eh bien, d'abord parce qu'on est beaucoup plus centré aujourd'hui, et je l'entends bien sur ce qui s'est dit avant moi, mais c'est la même chose en France, on est plus centré sur l'organisation que sur l'accompagnement. Et puis derrière, il y a les professionnels qui ont peur. La judiciarisation, je ne sais pas si elle pourra le traduire. Et puis il y a cette technicité monstrueuse, avec des normes, des qualités, des outils, etc. Et puis bien sûr, je viens d'en parler, cette fameuse représentation de la vieillesse qui est faite de stéréotypes et auquel je vais rajouter un élément en plus, qui est celle de la perte de jugement.
Il paraît qu'en vieillissant, on aurait de moins en moins de jugement. On serait de moins en moins capable de juger. Comme cette amie qui me dit, par rapport à son voisin de 70 ans, il a perdu la raison, il vient d'épouser une femme de 30 ans. Mais moi, je pense le contraire. Je pense qu'il a toute sa raison et qu'il l'aurait perdue s'il avait essayé d'épouser une femme de 30 ans de plus que lui. Donc effectivement, si vous voulez, hein, cette question du risque et du choix, c'est croire qu'à un moment donné, nous n'aurions plus la possibilité d'être suffisamment rationnels pour pouvoir continuer à gérer nos vies. Il y a une enquête européenne qui est tout à fait qui est un peu vieille maintenant, mais qui est intéressante. On posait la question de savoir quelle est la personne la mieux placée pour choisir les services que la personne âgée va utiliser. Seule une personne sur trois en Europe répond que c'est la personne âgée elle-même qui est la mieux placée pour choisir ses services. Moi, j'appelle ça effectivement un refus d'autonomie. Et le pire des pays sur cette enquête, c'est l'Italie. Seule une personne sur cinq considérait que c'était la personne âgée elle-même qui était la mieux placée pour choisir les services. Or, cette question de la rationalité, si vous voulez, elle ne se pose pas qu'aux vieux, elle se pose à nous. Ces professionnels qui demandent aux personnes âgées d'être plus rationnelles que nous me posent problème. Est-ce que vous êtes rationnel dans vos choix? Est-ce que vous avez choisi votre conjoint de manière rationnelle? En le pesant, en le mesurant? Est-ce que vous avez choisi de manière rationnelle votre métier? Est-ce que vous avez choisi de manière rationnelle de faire un, deux ou trois enfants? Bien sûr que non. Pourquoi demande-t-on aux personnes âgées d'être plus rationnelles que nous dans leurs choix? Et c'est Perelman, qui est à la fois un philosophe et un juriste, qui nous dit « Cessons de demander aux autres d'être rationnels, demandons-leur comme nous d'être raisonnables. » Parce que être raisonnable, c'est choisir entre plusieurs possibilités. Tandis qu'être rationnel, en principe, il n'y a qu'une seule route possible. Et du coup, c'est l'autre qui l'a choisi pour nous. Bien sûr, avant même que vous me posiez la question, je vais y répondre. Les troubles cognitifs. On me dit, est-ce que quand on est touché par des troubles cognitifs, par la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut continuer à choisir et à risquer? Oui. Oui, parce que, sauf que ça nécessitera un tout autre accompagnement, oui, parce que il y a toujours du désir dans la personne. Même sur des personnes touchées par des troubles cognitifs très importants, j'ai travaillé avec l'hôpital de Strasbourg sur le refus alimentaire, par exemple, et on s'aperçoit effectivement que ça ne correspond pas la plupart du temps à une volonté de mourir, mais aux conditions dans lesquelles on permet aux gens de manger. C'est donc, et de choisir l'heure, les mets, les plats, la personne qui va me donner à manger, et ainsi de suite. Oui, même dans la démence, on peut continuer à participer à ses choix. Et on peut aussi respecter ce qu'est la personne dans la volonté qu'elle avait émise avant d'être touchée par des troubles cognitifs. Marie habitait au Pays Basque. Elle était touchée par des troubles cognitifs sévères. Ok.
Elle ne reconnaissait pas, je vais vous donner deux exemples, elle confondait le cru et le cuit, et elle confondait le frigo avec le four à micro-ondes. Elle est restée jusqu'à la fin chez elle parce que ses enfants ont respecté son choix de ne vouloir surtout pas rentrer en maison de retraite. Vu de l'extérieur, avec cette dame qui quelquefois sortait à moitié nue, avec cette dame qui ne voulait aucune aide des services, ses enfants ont dû être considérés comme maltraitants. Mais je vous pose la question, est-ce que dans une situation comme ça, ils n'auraient pas aussi été maltraitants, ce que j'appelle les maltraitances paradoxales, en voulant à tout prix faire son bonheur, considérant que celui-ci était dans une maison de retraite. Je pense que ce que nous attendons de nos proches, c'est de pouvoir être respecté jusqu'à la fin de sa vie dans ses choix. Et la difficulté de la réflexion qui se pose aujourd'hui sur l'évaluation, c'est que quand on fait l'évaluation d'une personne, on évalue quoi ? On évalue sa vue, sa capacité à rester debout, son cœur, tout ce que vous voulez. Mais vous ne touchez jamais dans ces évaluations ce qui fait le fond de cette personne, c'est-à-dire la manière dont elle a envie de vivre. Le professionnel est toujours décalé par rapport au désir de la personne, et il peut ne pas l'être à la condition de se centrer sur ce qu'elle a à nous dire. Quand j'ai acheté ma maison, le monsieur qui vivait là vivait avec sa femme qui venait de mourir. Il réparait des autos au rez-de-chaussée et il avait tout son appartement à l'étage. Quand j'ai vu ça et que j'ai pensé que sa femme avait vécu là sans pouvoir sortir pendant des années, je me suis dit quand même il aurait pu choisir autre chose comme mode de vie. Mais quand il m'a dit lui-même en me disant « Vous avez vu ? C'est formidable !» Tout était au même niveau pour ma femme. Ma représentation que j'avais de sa qualité de vie n'était pas la sienne. Et c'est toute la différence qu'il faut faire entre la qualité et la qualité de vie. Oui, j'ai entendu parler de la qualité des services. Qu'est-ce que c'est que la qualité d'un service ? C'est une caractérisation technique. C'est une qualité qui est nommée et normée par des experts de l'extérieur. Et c'est une maîtrise de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie ? C'est, et il y a d'ailleurs une définition de l'OMS, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence. Ce n'est pas défini et normé par des experts, c'est défini et exprimé par la personne, et ce sont les risques de la vie. Oui, je roule à moto et j'habite en dehors de Bordeaux, et je sais que statistiquement, je multiplie par 15 mon risque de décès. Mais ça fait partie de ma qualité de vie. Ce n'est pas la somme des fonctions biologiques que vous évaluez qui va faire ce que la personne souhaite. Ça, ce dont on me parle quand on me parle de la somme des évaluations, pour moi, c'est Frankenstein. C'est une accumulation de données objective. C'est une vision réductrice. Pour moi, ce qui est important, c'est effectivement que je puisse négocier ma liberté, négocier mes choix et négocier mes risques. Lorsque cette famille me parle de ce monsieur, de leur père qui tous les jours s'en va un peu plus loin de la maison, certains de ses enfants disent « il va de moins en moins bien ». On voit bien qu'il est en errance. Et l'autre partie de la fratrie me dit « Notre père, il va de mieux en mieux. Il est de plus en plus autonome. Il va de plus en plus loin. » Et je leur réponds « Ce serait peut-être bien que vous lui posiez la question de savoir ce qu'il ressent. » Donc effectivement,
Cette question du droit au choix et du droit au risque et de la vulnérabilité, c'est une question ordinaire de la vie quotidienne. Est-ce que je continue de pouvoir prendre ma vie en main ou est-ce que d'autres vont le faire pour moi? Mais je vous le dis tout de suite, les conséquences sont dramatiques. En France, ceux qui ne choisissent pas d'entrer en maison de retraite, étude du ministère, meurent beaucoup plus vite que ceux qui ont participé à leur entrée dans l'institution. Et ceux qui vivent en institution et qui n'ont pas choisi se détériorent qui se détériore beaucoup plus vite. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple du rat de laboratoire, quand vous attachez un rat sur une planche, il met moins de 48 heures à développer un ulcère de l'estomac. Et je ne pense pas qu'il ait tout à fait la même conscience de nous, de sa capacité à être libre. Vieillir n'a d'intérêt que dans la mesure où on peut exercer un pouvoir sur sa propre vie, sur son projet, quel qu'il soit. Et on a derrière nous la difficulté d'avoir des politiques publiques, des familles et des professionnels qui ne doivent pas s'opposer à ce droit au choix, au droit au risque. Ils doivent l'accompagner. C'est ce que Gabriel Marcel, un philosophe, appelait l'homme contre l'humain. Je veux bien vieillir, mais à la condition de rester parfaitement un homme et que même dément, on continue de me mettre tous les matins mon nœud papillon, ce qui fait mon identité. Merci.